Moi, je crois qu'ils se sont fait kidnapper. Par la meuf de Gérard? C'est Pénélope Cavillan. Elle bosse avec des cartels depuis des années. Monsieur Guzman, ici présent, est à la tête d'un des plus gros cartels de Colombie. Il n'y a qu'une personne qui sait faire de la pastrawine. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui sais faire de la pastrawine. La seule personne ici qui fasse une très, très bonne pastrawine, c'est Mimi. Voilà. C'est celui-là. Elle dit une... comme ça. Qu'est-ce qu'on va foutre de cette bande de pipes, là, les Hazans? On doit les garder ici 3 mois, on devrait y arriver. Non? Ça nous fait des frais! Ça nous fait des risques en plus! C'est en interdiction, faut qu'ils nous rapportent de l'argent! J'ai réfléchi. Faut que t'appelles tes potes pour qu'on retrouve Pénélope Cavillan. Comme ça, on saura où sont les Hazans. T'es sûr de toi, frère? Lui, là, il a bossé avec les Cavillans, lui. T'es sûr, c'est ça, son blaze? Lucas Finanou qui me dit. Parfait, on le tient. Faut qu'on le prenne en filature et qu'on le mette sur écoute. Le Bridget, il a déjà dit, ça veut dire c'est bien en serbe. Par contre, Lekshmikulje, qu'est-ce que ça veut dire, Lekshmikulje? Lekshmikulje. C'est du français? Il demande au chiot de lui lécher les couilles. T'as l'air de bien kiffer, le salaud, hein? Eh ben. T'as le papier? Le bébé, $150,000 sur le marché. Prends pas mes enfants, je te supplie. Je me présente, je suis Muriel Prévost. Et voici mon assistant, Mohamed Ben Affleck. Ben Flahak. Hak. C'est un champignon hallucinogène. C'est un produit qu'on a développé ces dernières années avec mamie. Et on voulait appeler ça même le Falafel SD. Falafel SD, petit jeu de mots, bien punchy. Pour booster les ventes. Ouais. Je vais vous laisser 15 jours pour livrer les champis. Comme ça, j'ai tranquille les enfants de monsieur. C'est même pas si marche. Faut que vous les goûtiez. J'ai un cafetière qui commence à chauffer. Roger, oh putain, ça marche. Il délire complètement, là. Vraiment. Policier, là. En el culo, paf. Voilà, non, rien de spécial, il dort. Tu dis qu'il est en train de dormir, il a la teub à l'air, c'est quoi ça? C'est incroyable, on dirait un éclair au chocolat. Ouais, il a une belle teub, mon père. Ça, c'est une teub de famille? Ouais. Faux, je t'ai jamais vu qu'une teub comme ça.